présentation de ce stylet d'Agi, le modèle P505 pour être plus précis. Alors le stylet est livré avec notamment une petite languette de remplacement. Et donc cette languette a ça de particulier qu'elle en fait se visse. Voilà, donc elle est vissable et avec un ressort, ce qui lui permet une grande souplesse. Alors j'ai déjà eu l'occasion de tester un stylet d'Agi auparavant, et j'avais pu déjà apprécier vraiment l'intérêt de ce palet qui est à ressort, parce qu'on peut tourner le stylo dans tous les sens possibles. Donc ici, on a un stylet qui est en matière aluminium, plutôt frais, plutôt froid, parce que cette matière métallique le rend ainsi. On a ici ces petites encoches qui vont permettre de le prendre correctement lorsque l'on va saisir. Alors, on va se rendre dans une application comme document, et on va aller annoter en écrivant donc n'importe quoi ici, pour bien tester cette saisie. Il faut préciser que je suis donc sur un iPad Pro avec une vitre de protection, et ça n'empêche pas la saisie. Donc cela est tout à fait intéressant à ce niveau-là. De la même façon, si je vais chercher un clavier manuscrit, je vais pouvoir écrire. Et la saisie est immédiate, donc ça c'est assez pratique. Voilà, donc à ce niveau-là, aucun problème, aucun reproche. Vraiment, le stylet est agréable en main, un petit peu lourd, mais tout à fait fonctionnel et efficace. On va terminer avec une application qui va nous permettre d'écrire des notes, pour le coup, afin justement de voir un petit peu sa pertinence dans ce cadre-là. Voilà, donc là c'est l'application qui a quelques petits bugs aussi, mais en tout cas, ça fonctionne au niveau de la saisie. Donc un très bon stylet, voilà, on va retenir qu'il y a ces petites encoches qui sont assez pratiques pour la tenue en main, un petit peu lourd, mais vraiment un très bon produit.